La Kabylie veut prendre son destin en main. C'est la seule façon pour cette région d'Algérie de retrouver ses droits. Voilà en tout cas la conviction de Ferhat Mehenni, chanteur, homme politique, fondateur du MAK, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Il était à Lausanne samedi pour parler de son long combat pour la défense des droits des Berbères. Patrick Chaboudet. Oui, la Kabylie, une réputation de région frondeuse, déterminée. C'est dans les montagnes de Kabylie qu'a débuté la lutte contre la colonisation française. Un peu plus de 6 millions d'habitants, une culture spécifique, une langue, le Taïk-Bélit, parlé par la grande majorité de la population, et des aspirations à une reconnaissance culturelle, à une certaine autonomie, des aspirations ignorées par Alger. Ferhat Mehenni. Depuis 1962, la Kabylie est une sorte d'abcès de fixation de l'Algérie où viennent se greffer tous les maux du pays. Les Kabyles ne sont pas considérés comme des Algériens à part entière parce que leur langue n'est pas reconnue, parce que leur région n'existe pas administrativement, parce qu'ils sont suspectés de porter atteinte à l'unité nationale. En fait, même si c'est la Kabylie qui a libéré l'Algérie, l'Algérie a été ingrate et dénie le droit d'exister à un peuple comme les Kabyles. Alors voilà, pour le constat, Ferhat Mehenni évoque les grandes étapes d'une rupture progressive entre la Kabylie et les autorités algériennes. N'étant pas considérés comme des citoyens à part entière, les Kabyles ont d'abord, sous la dictature, timidement revendiqué des droits linguistiques, culturels. C'était le printemps berbère de 1980. Ensuite, c'était la prison tout le temps et c'était donc des revendications de respect des droits de l'homme. Voyant que ça ne suivait pas de l'autre côté, on a pensé à une forme de fédéralisme. C'était de l'impossible. Il y a eu le printemps noir 2001. Le régime a pour la première fois tiré sur nos pacifiques manifestants en faisant plus de 128 morts. À partir de là, le contrat d'union nationale, de confiance avec l'Algérie, était rompu. Pourquoi il était rompu? D'abord, le régime a dépassé une ligne rouge qu'il n'aurait jamais dû faire. D'autre part, la Kabylie était restée isolée. Dans le bain de sang dans lequel nous étions, aucun Algérien n'avait levé le petit doigt pour s'indigner de ce qui arrivait en Kabylie. Le printemps noir, Patrick, c'est l'événement qui a fait basculer les choses. Oui, effectivement, avril 2001, un jeune homme meurt d'une rafale de mitraillette dans une gendarmerie de Kabylie. Colère populaire, manifestation, répression brutale. Et Ferhat Mehenni l'évoquait, ce sentiment de trahison, d'absence de solidarité également de la part du reste de l'Algérie. Après d'autres tentatives pour obtenir une autonomie régionale, Ferhat Mehenni franchit le pas en 2010. Il proclame un gouvernement provisoire kabyle dont il est élu président. La rupture est consommée. Désormais, la Kabylie doit avoir un destin à part. Nous sommes un peuple, nous avons un territoire, nous avons une langue, des coutumes, des traditions, nous avons tout ce qu'il nous faut pour nous assumer en tant que peuple à travers le monde, et qu'à partir de là, il fallait un destin à part. Et en effet, des revendications culturelles qui n'ont jamais été satisfaites, nous en sommes venus à nous prendre en charge par nous-mêmes et à dire que la solution ne dépend pas des autres, mais dépend de nous-mêmes. Un destin à part, dit-il, est-ce que c'est une position qui est largement soutenue en Kabylie? Alors davantage d'autonomie, oui, sans doute, c'est une revendication largement partagée, mais l'indépendance, difficile à le savoir vraiment. Il y a tout de même des signes d'une mobilisation kabyle. Le 20 avril, comme chaque année depuis 2001, on commémorait le printemps noir, et ils étaient très nombreux à manifester. Si on était devant une télévision, je vous montrerais des photos de ce 20 avril où des centaines de milliers de Kabyles sont descendus dans les rues de la Kabylie pour proclamer leur aspiration profonde à une autodétermination de la Kabylie. Nous sommes un peuple pacifique. Nous sommes fermes quant à notre revendication de notre indépendance, mais bien entendu, nous ne voulons en aucune façon user de violence. Des revendications kabyles qui interviennent alors que l'Algérie est actuellement dans une phase de transition délicate. Oui, on peut même parler d'une vacance de pouvoir. Le président Bouteflika est très malade, très affaibli. Avec la chute des prix du baril, la manne pétrolière se tarit, donc une situation économique très difficile également. Alors est-ce que c'est une menace pour la Kabylie avec, par exemple, un durcissement possible du pouvoir? L'Algérie va mal, ce n'est pas la faute de la Kabylie d'abord, c'est l'absence de projet politique pour l'Algérie. Il n'y a pas de plan de développement, il n'y a pas de projection sur l'avenir. Ça fait plus de 50 ans maintenant que l'Algérie est indépendante, 55 ans même,
Le système est usé, il est à bout de souffle, à l'image de son président. En d'autres pays, l'impeachment aurait déjà fonctionné. Chez nous, on veut garder le système tel qu'il est, parce que les affaires de pouvoir sont des affaires claniques, des affaires mafieuses, et non pas des affaires d'élection ou d'intérêt national quelconque. L'Algérie va imploser. Et la seule force qui a été préparée par le régime pour le remplacer est celle de l'intégrisme islamiste, celle de l'islamo-terrorisme. Ce à quoi échappe uniquement la Kabylie. Donc la Kabylie ne veut pas sombrer avec l'Algérie. Donc nous sommes en train d'étudier la manière de protéger la Kabylie en cas d'effondrement de l'État algérien, ce qui est imminent à mon avis. Oui, on l'entend, un constat plutôt pessimiste pour l'Algérie. Ferhat Mehendi, lui, vit en exil à Paris, déterminé à mener le combat pour le peuple kabyle. Je n'ai jamais eu peur d'aller en prison. Depuis 1976, où j'ai été arrêté pour la première fois, alors que j'étais étudiant en sciences politiques à Alger, j'ai été arrêté 12 fois. En 2004, on a assassiné mon fils, à Paris même, pour me châtier d'avoir osé proclamer le droit à la liberté du peuple kabyle. En 2009, est sorti un mandat d'arrêt contre moi. Ce n'est pas que j'ai peur d'aller en prison, mais j'ai surtout le vœu et le désir de terminer un combat en liberté pour mon peuple. Et c'est cette liberté-là que j'ai qui garantit en quelque sorte, quelque part, la liberté de mon peuple. Oui, Ferhat Mehendi, président du gouvernement provisoire kabyle, mais aussi chanteur. Son dernier disque, c'est lui absolument. Son dernier disque est sorti l'année dernière, et on entend justement un extrait de la chanson Liberté kabyle. La liberté kabyle par Ferhat Mehendi, un disque que nous apporte Patrick Chaboudet, et on l'en remercie.